commandant Daniel Posé, chef de colonne avesnois. Les secours du groupement 4 ont été engagés sur un feu de détritus sur un ancien site industriel à Berlaimont. Le feu concernait un certain volume de détritus composés de palettes et autres matériaux de déconstruction. Le feu se situait dans une fosse d'environ 10 mètres carrés sur 20 mètres de profondeur. Les secours ont tout d'abord essayé d'éteindre cet incendie au moyen de l'eau et de mousse, sachant que cette utilisation n'a pas été efficace. L'idée de manœuvre finale a été de recouvrir l'orifice de cette fosse par des tôles de bardage fournies par le propriétaire, avec lesquelles nous avons essayé de colmater le plus efficacement possible avec de la terre. Il semblerait qu'aujourd'hui, à ce moment, le dispositif soit efficace, les fumées sont beaucoup moins importantes et on espère que ce dispositif va permettre de faire une extinction par étouffement. Les moyens engagés sont répartis sur les centres de secours d'Aulnoye-Aymeries, Avesnes, Bavay, environ une trentaine de sapeurs-pompiers.